J'ai trouvé que la matinée était riche parce qu'on était à la croisée en fait, à la fois des enjeux de production, des enjeux de financement, des enjeux d'accompagnement des parcours de commercialisation, mais surtout en fait, le sujet prégnant était de mettre le besoin des demandeurs de logement au cœur des débats. Donc j'ai trouvé ça très riche et avec des regards croisés qui nous permettent de prendre un peu de distance et de la hauteur sur les perspectives du logement social, du logement au sens large, pour répondre à l'ensemble des besoins de la population qui ne peut pas se loger dans le secteur privé. Alors la matinée est très très enrichissante par la diversité des personnes qui ont été interviewées. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé que le public était particulièrement participatif avec des questions qui ont été posées, donc très enrichissant. La matinée était passionnante parce que le contexte est effectivement particulier. Il y a le choc inflationniste qui se résorbe un petit peu, mais à côté de ça, il y a encore beaucoup de pression sur la construction et le logement neuf. Donc c'était passionnant d'avoir le point de vue des bailleurs sociaux sur un petit peu comment allait évoluer le marché. On a pu aussi bénéficier de l'intervention de PwC sur l'analyse un petit peu des grandes tendances à venir macroéconomiques pour avoir un peu de perspective. Et tout ça, ça nous a permis un petit peu de réfléchir aux enjeux de la commercialisation côté bailleurs sociaux, également de faire un petit focus sur les logements intermédiaires qui sont un second marché en plein boom et qui imposent du coup des nouveaux enjeux pour les acteurs du logement social. Je trouve ça toujours très intéressant de confronter nos idées, même si on a quand même beaucoup parlé du logement social. C'est intéressant de connaître les problématiques des uns et des autres et de pouvoir échanger. La matinée était très sympa, très agréable. Moi, en tant que financeur, c'est vrai que j'ai l'habitude de me confronter plutôt à la direction générale ou au service finance. C'est bien et ça m'enrichit de comprendre aussi typiquement les problématiques locatives, le parcours client pour accéder à un logement. C'est intéressant pour moi d'intégrer ça dans mes réflexions pour savoir ce que demain je pourrais proposer comme offre complémentaire à mes clients. J'ai trouvé que la matinale était passionnante, il y avait des bons intervenants, le public a posé de très bonnes questions. Et donc, on est ravis de pouvoir faire ça avec Flatsy et on essaiera de le refaire, même si ça demandait beaucoup d'efforts, mais on essaiera de le refaire dans les prochaines années.